Hey! Welcome to Curiosity Backpackers. This is Dudu and I'm Lulu. Thank you. Voilà, là on est sur la terrasse de l'auberge de jeunesse où je vais être pendant une semaine. Hop. Yeah. Donc ça c'était la cuisine. Voilà, ils sont contents, ils sont devenus célèbres. Hop, sorry. Alors. Bon, donc découverte de l'auberge de jeunesse, et comme ma réputation m'a précédé, bah du coup ils m'ont mis un petit jacuzzi. Alors au cas où. C'est pas mal. On voit les gens qui passent derrière. Hop. Bon, après c'est plutôt sympa. C'est verdoyant. Hein. Hop. Bah où qu'on est, bizarre, ça résonne un peu. On est dans le dortoir de l'auberge de jeunesse. Et oui, à 40 ans, première fois que je fais une auberge de jeunesse. Donc on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, ça va, j'avais dit 8, mais non, c'est 6 lits. J'ai croisé un de mes colocataires, donc un Allemand, très sympa, on a parlé en anglais. Donc voilà, je lui ai demandé s'il voulait être sur la vidéo, mais il voulait pas. Bon, il est peut-être là incognito. Donc je montre un peu, hein. Hop. Hop. Et là, j'ai mon lit. Et voilà. Donc j'ai l'Allemand au-dessus. Puis je crois que j'avais dit, j'espère que j'aurai pas des Allemands. Enfin non, j'ai pas de soucis avec les Allemands, ils sont cool, mais je sais pas, c'était l'image du beauf allemand. En short avec des claquettes. Voilà, hein, donc... bon, c'est très sommaire, mais en même temps, à 80 balles les 5 nuits, faut pas trop demander. Hein. Alors au niveau sécurité, je pensais qu'il y avait des gros casiers partout, mais en fait il y a un petit casier pour le petit sac. Et on laisse les trois sacs. Dans la chambre où on est, on a tous une clé. Donc autant vous dire qu'il faut se faire confiance. Hop, on continue. Hop. Alors, je vais essayer le câble. Hop là. Et là, c'est le monde magique de la toilette. Ouh. Là, j'en ai aussi une téléphone. Voilà, c'est bon. Et donc là, on a les douches. Bon, forcément, c'est. Sommaire quoi, j'ai hâte d'en prendre une. C'est un peu. Bon, ça on s'en fout, hein, les toilettes. Bon, on voit quand même que c'est propre, mais. Oui, comme j'ai expliqué sur la vidéo où je faisais mon sac à dos, on ne prend pas beaucoup d'affaires, on les lave. Et je crois que. Ça, c'est le truc des filles. Je crois que c'est là. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre le linge. Hello. Bon, mon bilan de l'auberge de jeunesse, puisque bah, à 40 ans c'était une première, j'avoue que j'avais un petit peu d'appréhension, et puis surtout j'avais du mal à trouver des vidéos sur internet, bah, comme je viens de le faire, où on voit carrément comment c'est dedans, etc., avec des vrais avis. Donc voilà, j'avais des appréhensions, mais j'avoue que j'étais agréablement surpris, bon, pour plusieurs points, déjà parce que c'est pas cher, de deux, parce qu'on rencontre plein de personnes, bah, comme j'ai pu avoir le cas là, à Johannesburg, avec trois sympathiques jeunes filles avec qui j'ai fait un bout de route, et voilà, c'était très cool, donc c'était un petit peu le but de mon aventure. Pour faire des bouts de chemin avec d'autres voyageurs, donc pour ça c'est cool. Même en étant seul, on se sent jamais seul, pas obligé de faire des bouts de route, mais voilà, on peut boire un verre, faire de l'ordi ou autre dans les salles communautaires, et puis ça se fait assez naturellement de discuter avec les autres. Bah, souvent quand on entend l'accent des autres, on dit bah tu es d'où, etc., par où t'es passé, combien de temps tu restes, donc voilà, la discussion c'est un peu toujours la même question au départ, et puis après voilà, ça peut rester juste là-dessus ou amener d'autres choses plus approfondi. Donc rien que pour ça c'est cool. Niveau sécurité, j'avais lu qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de vol ou autre. Bah, pour l'instant je touche du bois, pas eu de soucis non plus. Bon, forcément je m'en doutais, niveau intimité c'est un peu limité, hein, douche collective, bon pas mixte hein, heureusement, toilette collective. Les auberges de jeunesse c'est surtout en dortoir, donc moi j'ai testé à 6, alors en journée pas de soucis, en général il n'y a personne. Sinon c'est pas grave, chacun fait un petit peu son business. Par contre ce qui est un peu chiant, enfin en tout cas
pas pour ma part, mais peut-être pour les autres, puisque moi je rentrais plus tard, c'est que bah on rentre à pas de velours, puisque les autres dorment. Donc on essaye de, en plus il y a des sacs un peu partout par terre, on essaye de zigzaguer entre, de faire le moins de bruit possible. Et après c'est du coup c'est le contraire le matin, c'est-à-dire qu'il y en a qui se lèvent beaucoup plus tôt. Bon, même si moi je me levais tôt, si je me levais par exemple à 8h, il y en a peut-être certains qui se levaient à 7h, donc on les entend. Moi c'est m'est déjà arrivé aussi en partant de devoir faire mon sac avec plein de trucs en plastique qui faisaient du bruit, j'étais super gêné. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis encore une fois, il faut pas oublier de prendre ses bouchons d'oreille ou ses boules qui est, voilà, ça change une vie. C'est super important, comme ça on n'entend pas tous les petits bruits des autres, les ronflements, les téléphones portables qui peuvent sonner pour une alarme ou autre. Enfin voilà, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a les boules qui est, c'est gérable. Donc voilà, un peu de proximité. C'est bien aussi, quand on n'a pas le guide du retard sur soi, ben on peut demander à l'accueil ce qu'il y a à faire, où aller manger. En général, ils savent un petit peu tous les bons plans. C'est pas trop des trucs arnaques. En général, ils savent que c'est des gens qui n'ont pas trop de budget. Donc c'est plutôt un bon plan, les auberges de jeunesse. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis dans un petit hôtel normal. Bon, qui est deux fois plus cher, qui doit être à 30 € au lieu de 15 € la nuit, là en Afrique du Sud. Je pense que ce qui est bien, c'est de pouvoir alterner. Faire par exemple toute une semaine d'auberge jeunesse, et puis le dernier jour, se faire un hôtel pour pouvoir se faire une bonne douche tout seul, là, pouvoir dormir convenablement, se faire une grasse mat peut-être derrière. Enfin voilà, à mon avis, c'est le bon rythme à tenir, que ce soit pour le budget ou pour le reste. Et puis surtout, après 6 jours par exemple d'auberge et de dortoir, qu'est-ce qu'on apprécie une chambre tout seul. Je voulais vraiment tester ça, et surtout en début de séjour. Et je suis plutôt content, donc je recommande, quelle que soit à mon avis la destination. Je vous le dirai à mon avis dans les autres vidéos sur les autres destinations, mais je pense que c'est un peu partout pareil. C'est vraiment le bon plan. Je ferai une autre vidéo sur le couchsurfing quand j'aurai testé, voir si c'est un autre bon plan aussi ou pas. J'entends un peu de tout, donc peut-être tester en Colombie, on verra bien. Voilà, c'était mon bilan des auberges de jeunesse. Salut!